Dis-moi tout, Doc. Dis-moi tout, Doc. C'est imposé dans le prix Jean Laborde, monté par Adeline Méraud. Adeline, qu'on va aller voir. Adeline, un tout petit mot, on court après Adeline Méraud. Très brillante victoire en celle sur Dis-moi tout, Doc. Adeline, comment ça s'est passé? Je suis allée devant comme à son habitude. J'ai pris le train à mon compte. Après, j'avais 60 kilos quand j'avais gagné 52,5, ça l'a beaucoup aidé aussi. Parce que là, le cheval revenait sur des victoires, mais à un niveau inférieur. Il a passé le cap là très facilement, là. Oui, il a passé le cap facilement. Après, à vrai dire, j'avais gagné vraiment facilement de 4 longueurs à chaque fois. Donc, il avait la pointure pour un lot comme ça. Tu le sens vraiment progresser de façon spectaculaire là, ces dernières semaines? Oui, de course en course, plus ça va, plus il devient bon. Il prend le dessus surtout. Puis il fait tout avec plaisir, il refuse pas le travail. Donc, c'est un vrai régal. Merci beaucoup, félicitations à Adeline donc, qui a gagné cette épreuve d'importance pour les chevaux d'âge. Hop, elle est où? Il est là. Non. Paul, un petit mot peut-être, Paul, sur l'éleveur, monsieur Charme, qui n'est pas là. Que peux-tu nous présenter, Paul, président du syndicat Anglo-Course? Jean-Manuel Charme, il est connu dans le monde de l'Anglo-Arabie parce que c'est un grand cavalier de concours hippique. Il est basé à côté de Limoges, il a une bonne écurie de concours hippique et il est dans les courses depuis très peu de temps. Avec une réussite, dis donc. Quand même. Oui, et Samaradoc, c'est une bonne origine. C'est l'origine de chez Parodelot. L'origine de la grande origine Parodelot, Septine, Art Sacré, ainsi de suite. Merci. Dis-moi tout, Doc, que voici la fille de Full of Gold qui ne ressemble en rien à son père. Cheval alezan, Full of Gold, qui a déjà bien produit en Anglo-Arabie, Full of Gold. Et qui donc s'impose ici dans le prix Jean Laborde. Belle tête que cette Dis-moi tout, Doc. Le prix Jean Laborde pour les chevaux d'âge à 12,5%.